Abba Père, nous te rendons grâce. De nous avoir adoptés comme tes enfants. Nous te remercions pour cette grâce que nous ne pouvons pas mesurer, que nous ne pouvons pas estimer, mais en laquelle nous croyons. Nous te remercions de nous avoir rassemblés ici ce soir. Pour parler à nos cœurs. Pour nous instruire. Pour nous éduquer, pour nous rééduquer. Abba Père, nous t'aimons. Tu es notre Papa. Nous sommes heureux de porter ton nom, d'être tes enfants. Je prie que ce soir, tu édifies notre foi, notre confiance en toi, notre confiance dans la vérité et la certitude de tes paroles. Seigneur, nous ne voulons pas t'écouter négligemment ce soir. Nous voulons recevoir les paroles de vie, les accueillir avec foi, avec joie, et nous empresser de les mettre en pratique. Saint-Esprit, nous sommes à ta disposition. Moi, le premier, nous dépendons de toi. Nous t'ouvrons nos cœurs. Parle directement à nos cœurs. Fais-nous comprendre tes voix. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la présence de notre Père. Bienvenue, bienvenue. Je veux savoir ceux qui étaient là mercredi passé, levez les mains. Ceux qui n'étaient pas là. Ah, bon. Ok. Ça passe pour nos frères qui sont en ligne? Aujourd'hui, ça passe sans problème? D'accord. Nous saluons tous nos frères qui sont en dehors de Casablanca et qui nous suivent ce soir. Vous êtes prêts? Nous sommes en train de parler des 9 grâces excellentes de la nouvelle création en Christ, n'est-ce pas? Depuis l'année passée, depuis que le Seigneur nous a inspiré cette école, la première grâce était la grâce de l'expiation, la deuxième est la grâce de la propitiation, la troisième est la grâce de la rédemption. Et là, nous parlons maintenant de l'adoption, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas une école théologique, biblique comme les autres, mais c'est une école pratique. Le but est que nous puissions creuser dans les Saintes Écritures et voir tout ce que notre Papa a dit que nous sommes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et ce que Dieu a dit que nous sommes, nous le... Ce que Dieu a dit que nous avons, nous. Ce que Dieu a dit que nous pouvons, nous. Ce que Dieu a dit que nous ferons, nous. Mais il faut savoir ce qu'il a dit. Alléluia. Et y croire, y croire, y croire. Vraiment, je sens dans mon cœur que Dieu est en train de faire de grandes choses. Et de choses très profondes.
Et je sens dans mon cœur vraiment que Dieu est en train de préparer quelque chose de très grand avec toi et moi. Vraiment, je vous assure, parfois, je gémis devant le Seigneur parce que je ne sais pas comment vous le dire, comment vous transmettre cette assurance. Si je pouvais prendre mon cœur et mettre dans le vôtre, ce serait plus simple. Mais je vous en supplie, prenez au sérieux tout ce qu'il est en train de nous dire. Alléluia. Et tu n'es pas là par hasard. Dieu croit en toi. Et il compte sur toi. Est-ce que quelqu'un le croit? Je vous assure, je vous assure. Vous savez, plus le monde avance, plus l'Église doit comprendre la foi et croire en la foi. Parce que de plus en plus, il sera bon, je dirai ça prochainement. Mais sachez seulement que tel que le monde avance, ceux qui vont négliger la foi vont souffrir. Lorsque vous lisez attentivement le Nouveau Testament, vous comprenez que l'Antichrist va se manifester après l'enlèvement, mais son esprit agit déjà dans ce monde. Et c'est un esprit qui travaille pour mettre à l'étroit les enfants de Dieu. Nous avons bien fait de choisir Christ, mais si nous sommes des chrétiens légers, appartenir à Christ va être source d'une grande souffrance. Parce que le monde est en train d'évoluer de manière à ce que la seule manière d'être à l'aise serait d'abandonner la foi. Ça a déjà commencé. Dieu nous a prévenus. Il a dit que l'esprit de l'Antichrist agit déjà. Nous devons prendre notre foi au sérieux. Nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Quand Dieu a dit que son juste vivra par la foi, il était très sérieux. Les temps viennent où ceux qui auront choisi la justice de Dieu n'auront pas d'autre choix que la foi. Mais la foi nous fera triompher de ce monde. Amen. Toujours, toujours. Nous sommes dans des temps où le compromis va être très facile. Il semble que ce sera la seule chose qui restera aux chrétiens. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais nous devons être préparés. Et ceux qui vont faire vraiment confiance en Dieu, ils ne vont pas seulement vivre, mais ils vont régner dans ce monde. Ils vont dominer sur les circonstances. De manière inexplicable, simplement par la foi. Et ça fera que plusieurs viendront à Christ à cause de notre témoignage. Alléluia. Car nous sommes plus que vainqueurs en vue du témoignage. Je vous en supplie. Prenez la parole de Dieu au sérieux. C'est pour cela que nous ne voulons pas nous agiter pour rien. Il est bon que le peuple soit vraiment assis sur la parole de Dieu. Je vous assure. Je prie que le Seigneur vous montre ce qui arrive. La gloire qui arrive dans l'Église. Et les choses graves qui arrivent dans ce monde. Nous parlons de la pédagogie du Saint-Esprit dont la grâce
de l'adoption. Commençons dans Éphésiens 1, versets 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu va nous élire, c'est ça? En lui, Dieu a fait quoi? Quand? Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Ton histoire n'a pas commencé le jour de ta naissance. Ton histoire a commencé en Dieu, avant la fondation du monde, et tu es le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu, l'élection de Dieu en Christ, avant la fondation du monde. Dans quel but? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant qui? Devant lui. C'est pour cela qu'il faut vivre en étant conscient de lui. Devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être quoi? Ses enfants d'adoption par qui? Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Vous voyez que c'est une grâce, n'est-ce pas? C'est une grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, le Seigneur Jésus. Donc, l'adoption est une grâce. Ok? Je vais lire dans la version Parole Vivante. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude de ses dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Vous avez entendu? Qu'est-ce qu'il a déversé en nous? Toutes les bénédictions que le royaume de Dieu contient. Waouh. Écoutez, avant même de poser les fondations du monde, il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. Il s'était proposé à l'avance dans son plan de nous adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Tel a été son dessein bienveillant, telle sa volonté. Il nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce, afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique par laquelle il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. Alléluia. Éphésiens 1 montre la place de Christ dans ce mystère, cette grâce de l'adoption. Romains chapitre 8 va nous montrer la place de l'Esprit. Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est parce que le Saint-Esprit est en nous, l'esprit d'adoption, que nous pouvons crier « Abba, Père ». Je lis encore dans cette version magnifique. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile ou bien un esprit de servitude. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave.
Il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte ou bien sous le fouet de la crainte. Le Saint-Esprit, il vous a introduit de plein droit, vous entendez? De plein droit dans la famille de Dieu. Il a fait de vous les fils adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher Père. Alléluia! Père, mon cher Père. Waouh! Père, mon cher Père. Notre texte de base se trouve dans Galates chapitre 3, du verset 23 jusqu'à Galates 4, 7. Galates 3, 23. Père, mon cher Père. Vous avez trouvé? Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. La foi devait être révélée, souligné. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à qui? À Christ. Afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, cette foi qui devait être révélée, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Il ne dit pas que nous n'avons plus de pédagogue, mais il dit nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Lequel? La loi. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est ce qui est magnifique. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Amen. Mes sœurs, vous aussi vous avez droit. C'est la merveille de Christ. Amen. Avant, les femmes n'héritaient pas de ces choses. Mais en Christ, il a renversé tout ça. Donc, quand vous éduquez vos enfants, ne faites pas de discrimination entre votre garçon et votre fille. En tout cas, si vous les éduquez dans la foi, ne faites pas de discrimination. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Il est héritier pourtant, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est le maître de tout, mais il est un enfant. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Vous voyez, la rédemption prépare l'adoption. Nous avons déjà abondamment parlé de la rédemption. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Vous constatez que le Saint-Esprit a un rôle très important, n'est-ce pas? À jouer dans cette merveille de l'adoption. Alléluia! Nous avons vu que l'adoption est une grâce, l'adoption en Christ. Elle est une grâce excellente, une faveur immérité. Nous avons vu aussi que c'est un mystère parce que Dieu nous donne sa nature. Quand Dieu nous adopte,
n'est-ce pas? Il nous engendre en même temps. Donc, nous avons sa nature. C'est différent de l'adoption naturelle, où l'adoption n'affecte que le statut légal, mais elle n'affecte pas la nature. Vous avez compris ça depuis longtemps, n'est-ce pas? Et l'adoption aussi en Christ est une vision nouvelle. C'est une révélation de ce que nous sommes aux yeux du Père. Nous devons apprendre à nous regarder comme Dieu nous regarde, à nous considérer de la considération que Dieu nous donne. Alléluia. Nous devons apprendre ça. Parce que ce que Dieu a dit que nous sommes, nous le sommes. Amen. Alors, dans cette portion des Galates, nous voyons trois mots clés. Un pédagogue, un tuteur et un administrateur qui jouent un rôle important pour introduire l'héritier dans la plénitude de son héritage. Ok? Nous avons lu mercredi dernier qu'il y a eu en Israël des rois qui étaient intronisés à l'âge de 12 ans, à l'âge de 8 ans. Si vous lisez attentivement, vous verrez qu'ils avaient des tuteurs qui les ont aidés. L'un d'entre eux d'ailleurs a failli après la mort de son tuteur. Alléluia. Cette idée a toujours été là. Éliézer, par exemple, a été le tuteur d'Isaac. Ok? Éliézer a joué un rôle important pour Isaac avant qu'il n'entre dans sa maturité. Qui d'autre? Laban a joué un rôle important pour Jacob, même s'il était négatif. Mais ça a servi, Dieu s'en est servi. Ok? Potiphar a joué un rôle important pour Joseph. Ok? Plusieurs commentateurs de la Bible disent que Potiphar a dû savoir que sa femme mentait. Parce que normalement, on devait tuer Joseph. Mais il l'a envoyé en prison. Alors qu'on devait le tuer. Parce que c'est une situation délicate. Si tu gracies Joseph, alors tu prétends que ta femme a menti, ça devient une honte sur toi-même. Ce sont des choses très, très délicates. Il y a beaucoup d'histoires comme ça même de notre temps. Potiphar a appris à Joseph à gouverner, à gérer. Et Joseph a dépassé toute sa science. Dans la vie, Dieu utilise des gens. Le plus souvent, c'est les gens que vous ignorez. Vous ne pensez pas que Dieu peut se servir de cette personne-là. Et pourtant. Qui d'autre? Samuel a joué ce rôle pour deux rois, pour Saül et pour David. Quand il est parti, Dieu a suscité Nathan, qui a gardé David sur les bons rails. Ils ont toujours été là. Alléluia. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu aussi des gens qui m'ont aidé, qui ont cru en moi, qui m'ont appris le rudiment. Notre premier pasteur ici, pasteur Yves, qui est en France, a été mon premier tuteur, mon pédagogue et tout ça. Dieu s'est servi de lui. Alléluia. Personne ne se fait tout seul. Vous vous entendez? Personne. Le plus vite vous reconnaissez la personne que Dieu utilise, mieux ce sera. Mieux ce sera, je vous assure. Personne ne se fait tout seul. Personne.
Même si nous avons des pédagogues, des tuteurs, des administrateurs humains, en réalité, c'est le Saint-Esprit qui joue pleinement ce rôle. J'ai ajouté ce paragraphe pour vous montrer simplement que le Saint-Esprit peut utiliser les gens autour de vous. C'est à vous de le reconnaître. Alléluia. Amen. Je vous assure. Donc, dans Galates 3 et 4, nous voyons trois mots-clés. Un pédagogue, un tuteur et un administrateur. Un pédagogue est tout simplement un enseignant. Un tuteur est un garant. Un administrateur est un gérant. Le pédagogue enseigne à l'héritier ses devoirs et ses responsabilités. Le tuteur enseigne à l'héritier ses droits et ses privilèges. L'administrateur enseigne à l'héritier comment gérer tous ses biens selon la volonté de son père. Donc, quand on n'est pas bien préparé, on va échouer. Vous entendez? L'héritier qui n'est pas bien formé va échouer. Il va échouer. Dieu a rejeté Saül, mais il a gardé sur le trône pendant longtemps. Parce que David n'était pas encore prêt. Et il y a aujourd'hui des personnes qui règnent parce que l'Église n'est pas encore prête. Vous entendez? Il y a des gens qui règnent sur ta position parce que tu n'es pas encore prêt. Il y a des gens qui administrent ton héritage parce que tu n'es pas encore prêt. Saül occupait le trône de David, en fait, n'est-ce pas? Et il travaillait pour tuer David. Donc nous avons intérêt à accélérer notre maturation, notre croissance. Parce que celui qui règne à ta place ne te laissera pas la vie facile. Vous me suivez? Ce n'est pas à prendre ou à laisser. Si un chrétien disait, bon, ça ne m'intéresse pas trop cet héritage-là, bon, voilà, je suis déjà né de nouveau, il me suffit de conserver ma confiance en Christ pour aller au ciel. Mon ami, celui qui règne à ta place, après t'avoir empêché de mettre la main sur ta part, il va travailler pour te détruire. Tu m'entends? Tu m'entends? Il ne faut pas négliger ce que Dieu a dit t'appartenir. Il faut aller le chercher. Parce que celui qui l'occupe ne te laissera pas tranquille. Parce qu'il sait qu'un jour, tu finiras par le déloger. Alors, s'il peut te détruire, il n'hésitera pas. Donc, nous n'avons pas de choix. OK? D'ailleurs, ce n'est pas bien de négliger ce pourquoi Christ est mort pour toi. Vous m'entendez? Vous vous rendez compte qu'il a donné sa vie pour que tu aies ça. Et toi, tu dis que tu n'en as pas besoin. Il a donné sa vie. Pourquoi? Il sait que tu en as besoin pour vivre. Il sait ça. Vous m'entendez? N'écoutez pas ces chrétiens religieux qui sont là pour semer en fait la peur. Qui en fait enseigne à l'Église à se contenter du minimum. Nous sommes des héritiers. Vous savez ce que c'est? Nous sommes des enfants de Dieu. Vous savez ce que c'est? La qualité
de la vie d'un enfant fait honneur ou pas à son père? Non? Dieu veut se glorifier au travers de nos vies. Après que Christ ait payé pour nos fautes et que nous ayons cru, il a mis en nous le Saint-Esprit qui va nous entraîner dans la vie des enfants que Dieu adopte. C'est pour cela que nous devons l'écouter. Alléluia. Alors, Galates 3, 25 dit que la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Cela ne veut pas dire que nous n'avons plus de pédagogue. Parce qu'un pédagogue était un esclave, l'esclave le plus loyal, le plus fidèle du Père. Et parce qu'il était tellement fidèle, le Père lui avait confié la responsabilité d'éduquer l'héritier. Et il ne plaisante pas. Donc, la vie de l'héritier n'était pas facile à cause du pédagogue, qui devait l'inculquer comment on vit en tant qu'héritier, la dignité même de son rang. Alléluia. Amen. Un prince ne rit pas comme tout le monde. Il ne rit pas aux éclats. D'accord? Un prince ne s'agite pas. Il ne court pas. Il fait tout avec dignité. Un prince ne mendie pas. Un prince ne s'agenouille pas devant les hommes. Allez vous cultiver, vous allez voir, un prince est comme ça. Un prince ne fait pas de grâce matinée. Sauf quand il est en vacances, après avoir beaucoup travaillé. Un prince ne dort pas à n'importe quelle heure. Sa vie est réglée, disciplinée. Un prince ne s'habille pas n'importe comment. Dieu est en train de faire une chose extraordinaire et il a choisi de le faire ici parce que l'environnement déjà peut nous aider à mieux comprendre les choses. Nous sommes dans un royaume. Oubliez la démocratie et la république. C'est un mode de gouvernement trop bas et contradictoire où on dit que le pouvoir appartient au peuple. Mais le peuple vote des gens pour les diriger, mais en même temps le peuple lui dit « Dirigez-nous, mais faites notre volonté. » C'est contradictoire. Dirigez-vous vous-même alors. À quoi ça sert d'être un chef si tu ne peux pas faire, si tu ne peux pas guider les gens? Donc la meilleure des choses à faire, c'est de refuser d'être chef et de leur dire « Conduisez-vous vous-même. » Notre Dieu n'est pas un président. Il est qui? Il n'a pas été élu. D'accord? D'accord? Et tu es ministre. Pour devenir ministre, donc serviteur, sacrificateur, tu n'as pas besoin de jouer le jeu d'un parti politique. Il faut d'abord être roi, donc être né d'un roi. Donc on ne t'a pas voté. Ta position royale n'est pas une élection des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Puisqu'ils ne t'ont pas placé là, ils ne peuvent pas non plus te déplacer de là. Il faut marcher avec cette conscience. Mais la vie, cette vie d'héritier, ça prend. Même nous tous ici. Si Sa Majesté adopte l'un d'entre nous, il va se rendre compte que sa mentalité est différente de la mentalité de la famille royale. Donc on doit le rééduquer, d'accord? On doit le déprogrammer pour le reprogrammer.
OK? Vous entendez ça? On doit déprogrammer les valeurs que tu as acceptées. Ça s'appelle le renouvellement de l'intelligence. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie sans pédagogue. Ah non, hein? Nous allons parler de la grâce. Vous allez comprendre, la grâce ne veut pas dire la licence. OK? Il ne dit pas que nous n'avons plus de pédagogue. Qu'est-ce qu'il dit? Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Sous-entendu, nous passons de l'autorité d'un pédagogue à un autre. Amen. Qui est ce pédagogue? Je vous ai déjà dit que c'est le Saint-Esprit. Mais pour comprendre, pour arriver à comprendre l'identité de ce pédagogue, notre nouveau pédagogue, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait ce changement. La Bible dit « la foi étant venue ». Je suis en train de résumer parce que, pas pour ceux qui n'étaient pas là le mercredi passé, ce n'est pas à cause de vous. Je ne travaille pas pour les absents. Mais à cause des frères qui n'ont pas pu nous suivre mercredi dernier, à cause de la panne électrique. Donc, ce n'est pas à cause de toi qui n'étais pas là le mercredi. Tu m'entends? Pas à cause de toi. Hein? Tu es ici à Casablanca et tu as été absent. Le pédagogue va te fouetter. Il dit, la foi étant venue, Dieu nous parle. Il nous parle par les Écritures. Romains 10, 17 ne dit autre chose. Romains 10, 17 dit, la foi vient. N'est-ce pas? La foi vient. Galates 3, 25 parle à peu près de la même manière, mais ce n'est pas la même chose. Galates 3, 25 dit, la foi étant venue. Il faut d'abord qu'elle vienne, n'est-ce pas? Et il faut qu'un certain temps soit passé et qu'on se rende compte que depuis que la foi est venue, elle est restée là. D'accord? Depuis que la foi est venue, elle est restée là. Et parce qu'elle est restée là, on peut alors finalement dire la foi étant venue. Réfléchissez un peu. Si on dit que la foi vient, c'est bien. En réalité, Romains 10, 17 est en train de nous dire la foi vient. Donc si elle vient, elle attend d'être accueillie, n'est-ce pas? Elle attend d'être reçue, elle attend d'être acceptée. D'accord? Et si un autre passage disait « la foi était venue », cela voudrait dire quoi? Quand elle est venue, soit on l'a acceptée pour un temps, après on l'a abandonnée, soit on l'a rejetée. Donc on parle de sa présence ou de sa venue au passé. Gloire à Dieu pour Galates 3, 25 qui dit que la foi étant venue, cela veut dire que depuis qu'elle est venue, elle est restée. Elle est restée là pendant un certain nombre de temps. Et à cause de cela, parce que la foi vient de ce que Christ nous dit, n'est-ce pas? Et quand on l'accepte, la foi demeure. Et quand elle demeure après un certain nombre de fois, elle décide le changement de pédagogue. Ce n'est pas étonnant de voir un chrétien qui vit encore sous la pédagogie de la loi. C'est parce que sa relation avec la foi n'est pas bonne. Vous m'entendez? Il a accepté un jour et il a abandonné après à cause des circonstances de la vie. Attention au piège caché derrière les circonstances. Parce que ce que le diable cherche, ce n'est pas de nous voler ce que nous avons perdu, mais c'est de nous voler la foi. Alléluia. Parce que si j'avais un stylo par la foi, ok, cela veut dire que je suis incapable d'acheter un stylo. Et je crois en Dieu parce que j'ai besoin d'un stylo et finalement Dieu me donne un stylo. Si le diable arrive à me voler ce stylo, où est le problème? Il y a plein de gens qui iront en enfer avec plein de stylos. Non? Je ne peux pas abandonner Dieu parce que j'ai quelque chose, je n'ai pas quelque chose qu'un païen a. Vous m'entendez? Donc, je ne prêche pas la souffrance. Je ne prêche pas les difficultés. Non, 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 non. Mais je suis comme un gardien de la foi.
Je suis comme un conseiller pour te dire, mon ami, ce problème, il n'est qu'apparent. Ce que le diable cherche derrière ce problème, c'est de te voler la foi. Parce que si un païen a ce que moi je n'ai pas, Dieu est en train de me le dire que ce n'est pas si important que ça. Amen. Je vous assure, tu finiras par l'avoir, d'accord? Parce que nous connaissons notre héritage. Mais, l'héritier est plus important que l'héritage. La position de l'héritier est plus importante que les possibilités de l'héritage. Alléluia. Donc la foi étant venue, ils l'ont saisi, ils se sont accrochés. Et parce que la foi est restée là, alors Dieu a décidé de décréter un changement de pédagogue. Plein de chrétiens vivent encore sous la pédagogie de la loi. Parce qu'ils ont un problème avec la foi. Vous m'entendez? Plein de chrétiens, même des pasteurs, même d'églises, qui enseignent en fait la loi, qui combattent les problèmes de la vie avec les instruments de la loi. Ils ont quelques victoires, mais ce sont des miettes. En réalité, ce qu'ils n'entreront jamais dans leur héritage, parce qu'ils ne sont pas encore passés sous la tutelle du dernier pédagogue. Celui qui prépare l'héritier à entrer dans la vie que le Père a rêvée pour lui. Vous avez compris ça? Alors, prenons soin de la foi. Ok? Chaque jour, soyez éveillés. Soyez en alerte, en état d'alerte, pour entendre ce que Christ veut te dire. Je vais parler pendant plus ou moins une heure, mais à un moment donné, Christ va te dire quelque chose de précis à toi. Ok? Il y a deux dimanches, j'ai enseigné ce que j'enseigne. Le temps était déjà fini. Donc, je devais quitter rapidement la chair pour qu'on passe à la Sainte Seine et au reste. Et pendant que je voulais quitter, je sentis une lourdeur en moi. Donc, j'ai compris que l'Esprit voulait que je reste. Donc, j'ai prié en langue pour accélérer la compréhension de ce qu'il veut dire. Et certaines paroles ont commencé à monter en moi. Entre autres, n'aie pas peur du cancer, tu mourras jamais du cancer. Quelqu'un s'en souvient? Il y a une sœur ici qui n'a pas dormi de la nuit parce qu'elle avait peur de contracter le cancer. Et elle est venue nous voir à la fin. C'était pour elle. Et même quand ça montait en moi, je disais, Seigneur, ça n'a rien à voir avec le message, mais je ne lutte plus, vous savez, je ne lutte plus. Ça n'a rien à voir avec... Je n'ai pas enseigné la guérison. Elle a entendu. Maintenant, sa responsabilité, c'est de garder. Parce que ce que le diable a utilisé pour la tromper et l'emmener dans la peur, va revenir. Ça va revenir. Mais Dieu a déjà parlé. C'est à elle de répondre avec ce que Dieu lui a dit et de garder la foi. C'est comme ça que ça fonctionne. Tous les jours, soyez alerte. Soyez alerte. Ça fait 2 mois que le frère qui était leader à Huriga est parti pour poursuivre ses études en France. Il faut trouver un remplaçant. Mais on ne désigne pas avec les yeux. Ça fait 2 mois que je m'attends au Seigneur. Mardi dernier, je suis sorti pour marcher. Je priais en marchant et c'est là où il m'a dit, ce sera tel frère. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va te parler. Mais tu dois être prêt à tout moment.
Alléluia. Surtout dans des moments comme ceci. Alléluia. La foi étant venue. Est-ce que la foi est en toi? Tu l'as bien gardée? Alors, j'aime la parole de Dieu et je pense que le ministère de l'enseignement est vraiment quelque chose de très important. Surtout quand nous avons passé beaucoup de temps dans la foi et que nous savons beaucoup de choses et que nous savons déjà comment prier, comment proclamer. Il y a toujours quelque chose qu'on peut nous apprendre de mieux. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Et le ministère de l'enseignement emmène le peuple à lire ce qu'ils savent. Vous entendez? À lire. Par exemple, Jean 3,16, tu n'as plus besoin de le lire. N'est-ce pas? Mais non, il faut lire. Je vous assure. Si vous êtes sincère, vous allez voir qu'il est beaucoup plus facile d'écouter que de lire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire. J'ai deux grands enseignants de ma vie. D'abord mon père spirituel, papa Karambiri. Et un autre maître qui m'a adopté par grâce. Un maître excellent. Donc je les écoute beaucoup. Mais dernièrement, l'Esprit m'a dit de ne plus les écouter sans ma Bible. Dans ce que je fais maintenant, quand ils citent un verset, je mets une pause. J'ouvre la Bible et je lis. Après, je remets play. Ils continuent. Vous entendez? Vous êtes une génération qui écoute beaucoup et qui ne lit pas. Vous savez pourquoi je suis assis là et que vous, vous êtes assis là? Vous savez pourquoi? Parce que je lis plus que vous. Et je lis pour vous. Tu veux rester assis là-bas? Hein? Tu ne deviendras pas forcément prédicateur, si ce n'est pas ton appel. Mais dans un domaine, tu t'asseras ici. Et les gens s'asseront là-bas. Avec quel secret? Lire et écrire. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ça, je vais vous montrer dans Génération Caleb. La puissance cachée derrière la lecture et l'écriture. D'accord. Alors, Galates 3 nous montre qu'en fait, la loi était ce genre de pédagogue qui avait pour but de nous conduire à Christ. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus montre dans Luc 24. Il dit, mais Moïse, les psaumes, les prophètes ont parlé de ce qui me concernait. L'Ancien Testament a été donné pour préparer les Juifs à reconnaître Christ. Je vous assure, Christ a accompli plus de 2000 prophéties. Jusqu'à sa mort, quand il a dit « j'ai soif », c'est parce qu'il restait une prophétie qu'il n'a pas accomplie. Est-ce qu'on lui a donné à boire? On lui a donné quoi? Alors pourquoi a-t-il dit qu'il avait soif? Est-ce qu'il avait besoin d'eau? Non, il restait une prophétie qui concernait la vie du Messie. Pour conduire à Christ, n'est-ce pas? Maintenant, on dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Je dis non, on aurait dû dire, Christ étant venu.
Regarde, si toi ton boulot c'est de nous prendre, ok, et nous emmener jusque ici, ok? Je vais parler autrement. Si le frère Steven a la responsabilité de nous prendre, nous tous, et de nous conduire jusqu'au frère Vince, ok? Et quand après on nous dit la sœur Marie étant venue, c'est-à-dire Steven, nous ayant conduit jusqu'à Marie, son boulot est fini. Je dis, non, pédagogue de la loi, reviens ici. Où est Christ? On m'avait dit que tu devais me conduire à Christ. Et puis il sourit. Il sourit, il dit, tu as la foi? Oui, comment tu sais que tu as la foi? Comment l'as-tu eu? Parce que Christ t'a parlé. Amen. Vous comprenez? Donc, le but de Dieu, ce n'est pas tant que nous sommes chrétiens. C'est que profondément, nous ayons la foi. D'accord? Un chrétien sans la foi, c'est vraiment une anomalie. Vous entendez? C'est une anomalie. C'est un monstre. Un monstre spirituel. Parce que Jésus, Hébreux 12, 2, nous dit qu'il est l'auteur de la foi. Quand il vient et te parle, pour que tu aies la foi. Alléluia. Nous allons abondamment parler de la foi ce soir, parce que c'est le dernier sujet concernant le pédagogue. Donc vous voyez, le but de la loi était de nous conduire à Christ qui nous parlerait afin que nous ayons et que nous gardions la foi. Je recommence. Le but de la loi était de nous conduire à Christ afin qu'il nous parle et que nous gardions, que nous ayons et que nous gardions la foi. Le but de la loi était de nous conduire à Christ afin qu'il nous parle pour que nous ayons et que nous gardions la foi, que nous possédions la foi. Amen. Alors, quand on arrive à ce niveau-là, Jean peut nous dire autre chose. Parce que nous devons maintenant comprendre ce qui se passe quand il dit nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Quand la foi étant venue et que nous passons à un autre pédagogue, cela veut dire que nous passons de la loi à autre chose, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand la foi est présente en nous et que on la conserve, elle nous fait passer de la loi à autre chose. Ok? De la loi à autre chose. Donc quand tu arrives là-bas, tu dis Seigneur, où sont les passages des Écritures qui montrent le passage de la loi à autre chose? Et il te dit, Jean 1, 17, la loi a été donnée par? La grâce et la vérité sont venues par? Oui, Jésus nous fait passer de la loi à quoi? À la grâce et la vérité. Où est le Saint-Esprit dans tout ça? Lorsque vous lisez Romains chapitre 8, à partir du premier verset, il dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ nous a rachetés, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a crucifié la chair en nous envoyant son Fils. Donc, quand Christ vient, Romains 8 nous montre qu'il nous fait passer de la loi du péché et de la mort à la loi de l'esprit de vie. De la vie charnelle qui affaiblit la loi à une vie supérieure qui domine la loi, s'appelle la vie spirituelle. Donc, un chrétien qui ne passe pas de la vie charnelle à la vie spirituelle ne peut pas dire au pédagogue de la loi qu'il n'a plus besoin de lui. Donc, il nous fait passer du péché et de la mort à la vie, par l'esprit. De la vie charnelle, n'est-ce pas, à la vie spirituelle. 2 Corinthiens 3 nous montre aussi qu'il nous fait passer de la lettre qui tue
C'est la loi, n'est-ce pas? À l'esprit qui vivifie, le Saint-Esprit. Il nous fait passer d'une gloire inférieure et passagère de l'ancienne alliance à une gloire supérieure et permanente de la nouvelle alliance. Au point que quand nous arrivons dans ce niveau-là, la gloire de l'ancienne alliance n'est pas une gloire du tout. Alléluia. La gloire de l'ancienne alliance était comme un vélo. Les Juifs avaient découvert le vélo et ils ont impressionné l'humanité qui était des piétons. Vous comprenez? Mais en Christ, nous avons découvert l'avion. Voici des gens qui connaissent l'avion et qui se laissent impressionner encore par des cyclistes. Ok? Donc nous avons plusieurs mots-clés là, la loi, grâce et vérité, mort, la lettre qui tue, l'esprit et la vie, ainsi de suite. Je dis oui, Seigneur, mais où est ce pédagogue? Et c'est là où les Écritures continuent de me parler. 2 Corinthiens 13, 14 nous dit que Jésus-Christ est celui qui emmène la grâce. D'accord? D'accord? Jean 14, 6, Jésus dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et il est la vie. Ok? Et Zacharie 12 parle de l'esprit de grâce et de supplication. Alléluia. Hébreux 10, 29 parle de l'esprit de grâce. Comprenez que Jésus est le Seigneur de grâce, le Saint-Esprit est l'Esprit de grâce. N'est-ce pas? Et c'est lui qui communique la grâce que Christ est pour nous. C'est lui qui communique la vie que Christ est pour nous. C'est lui qui communique la vérité que Christ est pour nous parce qu'il est appelé l'Esprit de vérité. Alléluia. Hébreux 12, 2 dit que Christ est l'auteur de la foi, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 4, 13 dit que nous avons l'esprit de la foi. C'est l'esprit qui communique la foi que Christ est pour nous. Alléluia. Donc si vous négligez le Saint-Esprit, vous continuerez à confesser que Jésus est la vie et la vérité. Mais ça ne sera jamais une expérience pour vous. Parce que celui qui communique ce que Christ est, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que la foi étant venue, Christ ne vient que pour ouvrir la porte. Il nous prend de l'autorité de l'ancien pédagogue pour nous passer sous l'autorité du dernier pédagogue. Pourquoi? Parce que le dernier pédagogue va nous amener à réaliser et à expérimenter tout ce que Christ est. Lui qui a provoqué ce changement. Vous entendez? Vous me suivez? Donc, l'héritier qui néglige ce pédagogue, au meilleur de cas, il saura en théorie ce que Christ lui donne. Au meilleur de cas, mais ça sera seulement la théorie. Mais l'héritier qui accepte la discipline, la pédagogie du Saint-Esprit, va réellement expérimenter la foi de Christ. Il va expérimenter la vie de Christ. Il va expérimenter la grâce qu'est Christ. Il va expérimenter la vérité qu'est Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez en la grâce? Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est que la grâce? Je vous pose une question. Est-ce que vous savez ce que c'est que la grâce? Est-ce que vous la croyez? C'est très bien. Vous saurez que vous croyez en la grâce dans la manière où vous réagirez quand la grâce vous sera manifestée. Je vais vous donner un exemple très simple
le minimum. D'accord? Si l'un d'entre nous ici a une maison remplie de biens, il a un gros frigidaire rempli de biens, et il va être absent pendant le week-end, il te prend, mon frère dit, reste à la maison, tu peux manger de tout ce qu'il y a dedans. Comment tu vas te comporter? Tu vas dire, je dois quand même donner une bonne impression. N'est-ce pas? Oui ou non? Quelqu'un d'autre dit qu'il va tout manger. Ah ouais. Quand nous allons dans un des pays où nous allons souvent, Dieu a touché une famille qui nous accueille. Ils ont un appartement qui n'est pas occupé, donc vraiment indépendant. Si tu es là-bas, tu es à l'aise. Et c'est vraiment autonome, il y a tout. Il y a une chambre, un salon, un frigidaire, une douche, tout y est. Et quand on arrive, on nous met là-bas, on nous donne une voiture, mais on nous donne pas un chauffeur, on conduit nous-mêmes. La première fois qu'on nous a fait ça, ils nous ont bien dit, vous n'avez pas besoin de mettre du carburant. Après avoir utilisé la voiture pendant 10 jours, et que le réservoir était à sec, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Le carburant est fini, non? J'ai dit à maman chérie, mettons le carburant quand même. On a mis le carburant. Le jour où la maman a vu ça, la maman de la famille qui nous a accueillis dit, mais pourquoi vous faites ça? C'est difficile, hein? Elle dit, mais est-ce que c'est un jeu? Ou bien c'est vrai? On vous met dans les meilleures conditions possibles. Une fois, nous étions là-bas et la dame, la maman, sa voiture était tombée en panne. Donc, c'est la deuxième voiture qu'on nous donne. La dame a pris une moto pour que nous continuions à rouler dans la voiture. Je dis, mais non, non. Je lui ai dit, non, c'est nous qui devons être sur la moto. Quand tu commences à être exposé à la grâce, c'est là où tu sais si tu es prêt à recevoir la grâce ou pas. Tu m'entends? Ah oui. La grâce est quelque chose de choquant. Vous n'avez pas encore effleuré. Vous ne faites que fleurer la grâce. C'est choquant. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Le Saint-Esprit va nous rééduquer par rapport à ça. Ok? La vérité. Nous avons besoin d'être rééduqués au sujet de la vérité, n'est-ce pas? J'ai mis 6 jours au séminaire de Pâques. N'est-ce pas? Surtout le message où je disais, ce qui est vrai, c'est pas la vérité, c'est faux. Les gens ont mal à la tête. N'est-ce pas? Réécoutez. J'ai eu mal à la tête avant vous. Donc je comprends, je vous comprends. Nous ne savons pas ce qu'est la vérité. La vérité est que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Amen. Et si j'ai la fièvre, c'est vrai. Mais ce n'est pas la vérité. Je vous assure. C'est vrai, mais c'est mensonger. Parce que sur le plan moral, sur le plan naturel, c'est vrai. Vous savez qu'il y a des maladies où on nous guérit par l'effet placebo. C'est-à-dire qu'on te donne un truc, en fait, c'est rien du tout.
tu penses être malade. Bon, le médecin a discerné qu'en fait, il n'a rien, le gars. Si je lui dis de rentrer à la maison, il va aller chez un autre médecin. Donc, il donne un truc où il n'y a rien. Et parce que tu as bu ça, alors qu'il n'y avait rien dedans, tu dis, ah, je me sens mieux. Tu n'étais pas malade du tout. Ouais, ça, c'est une maladie fausse. Mais il y a des vraies maladies, c'est vrai. Mais c'est mensonger. Pour te positionner dans la vérité, il faut la révélation. C'est pas parce que quelqu'un a dit qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. Et il dit, ça fait 50 ans que je n'ai pas pris d'aspirine. Que tu dis, amen, que tu ne prendras plus d'aspirine. Tu vas attendre 2 jours après. Je dis, bon, prenons quand même. Prochainement. Parce que tu n'as pas la révélation. La vérité, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. La vie. Est-ce que tu es sûr que tel que tu vis là, c'est ce que Dieu avait prévu? Tu es sûr? Tu sais, tu le sais, non? Tu le sais? Mais comment passer de cet état de vie à l'état de vie d'un fils adoptif? Comment on fait ça? Mon travail, c'est de croire. Et c'est le Saint-Esprit qui assure le transport. Et il va le faire. Pourquoi vous passez votre temps à critiquer le dictateur de votre pays qui occupe un poste qu'il ne mérite pas? Il n'a même pas étudié. Et il y a plein de gens qui gouvernent dans votre pays qui ne le méritent pas. D'accord? Si l'homme peut faire ça, Dieu ne peut pas le faire? Ah, pourquoi tu critiques? C'est une preuve que c'est possible. Vous voyez comment je raisonne? Regarde, si quelqu'un qui n'a même pas le bac devient chef d'entreprise, tu as 2 choix. Être jaloux, donc critiquer. Et ouais, les gens, ils donnent des arguments intellectuels. Mais en réalité, c'est la jalousie seulement. Ils auraient aimé être à leur place. Donc je comprends, je dis, Seigneur, même le monde me montre qu'on n'a pas besoin de mériter un poste. Oh. Alléluia! Amen. J'attends mon tour. Quelqu'un dit, oh non, pasteur, ils ont dit amen de convoitise, c'est ton problème. Comment tu sais que c'est la convoitise? Tu commences à rejeter. Attention, tu risques de basculer dans la... S'il est dans la convoitise, c'est son problème. Que ta foi soit vraie. Amen. Ta foi à toi. Amen. Non? Vous pensez que je suis ici, assis ici parce que je le mérite? Qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir prêcher comme ça? Vous expliquez ça comment? Rien. Il n'y a pas d'explication. Il m'a parlé, j'ai accepté. Alors le Saint-Esprit m'a transporté de là où j'étais. Et il m'a amené là. Amen. La vie. Vous voyez ça? La foi. Parce que les mots-clés sont là, n'est-ce pas? La foi. Comment entendre Christ? Il nous l'a montré dans Apocalypse 2 et 3. N'oubliez pas les visées célestes, n'est-ce pas? Que celui qui a des oreilles entende quoi? Mais qui était en train de parler? Christ. C'est comme là, si les frères mutent là, vous n'entendrez plus ma voix. Pourtant, je parle. Mais c'est amplifié, n'est-ce pas, par le micro. Le Saint-Esprit est comme ça. Christ parle et il amplifie sa voix pour que tu entendes. Voilà le travail du pédagogue. Alléluia. Quand je considère ça, qu'est-ce qui peut être impossible? Dites-moi. Qu'est-ce qui peut être impossible? Merci Seigneur. Alors le pédagogue, le Saint-Esprit,
maintenant qu'il est révélé, parce que quand la foi étant venue, Christ nous montre l'opération et la présence de l'Esprit et qui nous a montré qu'en fait, ce nouveau pédagogue, et le dernier d'ailleurs, c'est le Saint-Esprit. C'est clair maintenant pour tout le monde. Alors, quand le Saint-Esprit entre en action, il rééduque tout notre être. Il faut le laisser rééduquer tout ton être. Alléluia. Il rééduque notre corps, il rééduque notre âme, il rééduque notre esprit. Notre corps, il nous apprend à utiliser de la bonne manière nos cinq sens. Il veut nous apprendre à regarder comme Christ, pas comme les hommes naturels, à entendre comme Christ, à parler comme Christ, à goûter comme Christ, à sentir comme Christ. Alléluia. Amen. Laisse le Saint-Esprit s'imprégner même de tes cinq sens. Amen. Regardez, quand vous lisez Jean chapitre 4, c'est merveilleux. Jésus est en train d'avancer avec ses disciples et il sentit la fatigue. N'est-ce pas? C'est une fatigue physique. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête au bord du puits. Vous savez ce qui est arrivé après, non? La sensibilité de l'esprit est quelque chose d'extraordinaire. Vous entendez? Amen. Je vous donne des exemples pour que vous compreniez. On passe à côté parce qu'on attend le Saint-Esprit dans des choses trop grandes. Ça commence dans des petits détails. Dimanche au deuxième culte, quand j'ai fini, je suis parti. J'arrive à la porte de mon bureau. Je ne sais pas. J'ai eu envie de revenir. Je suis revenu et maman m'a soufflé à l'oreille, tu as bien fait, on doit prier pour Patrick. Dans mon cœur, j'ai compris pourquoi j'avais envie de revenir. Ça ne s'explique pas. Tu comprends? Tu fréquentes une personne, après tu ne sens pas. Laisse. Tu m'entends? Laisse. Tu devais aller là-bas, tu sais pas, tu te sens lourd. Ton corps s'alourdit. Pose la question au Saint-Esprit. Vous pensez que quand la femme samaritaine est venue au puits, Jésus savait tout ce qui allait se passer jusqu'à la fin? Non. Il est fatigué, il a soif. N'est-ce pas? C'est le désir de son corps. Ok? Une femme arrive au puits, elle a de quoi puiser. Jésus n'a pas de quoi puiser. Ok? Voilà, regardez là où Christ va choisir d'être spirituel. En tant que bon juif, il ne doit pas demander à boire à une femme samaritaine. Pourtant, il a soif. Et la femme samaritaine a de quoi puiser. Vous comprenez? Donc normalement, il doit lui dire, donne-moi. Si c'était un homme, il le ferait aisément, si c'était un homme juif. Donc quand il veut lui demander à boire, le raisonnement lui dit, mais c'est une femme samaritaine. Alors il choisit d'être spirituel. Il n'est pas dans ces affaires-là. Donc quand il fait ça et qu'il demande à boire, l'esprit ouvre. On passe à la deuxième vitesse. Obéissance après obéissance, Christ passe. Si tu veux opérer dans l'esprit, n'attends pas de tout savoir. Tu ne sauras pas tout le tableau. Obéis étape après étape, étape après étape. Nos cinq sens. N'est-ce pas qu'il a discipliné Jérémie dit, que vois-tu? Tu as bien vu. Notre âme, comment nous raisonnons? Il veut nous amener à raisonner autrement.
à utiliser notre intelligence autrement. C'est Dieu qui nous a donné l'intelligence, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a donné le cerveau. Le cerveau n'est pas inutile. Non? Le cerveau n'est pas inutile. Mais seulement le cerveau ne doit pas m'amener à contredire la parole de Dieu. Donc il nous entraîne à mettre notre intelligence au service de la parole de Dieu. Par exemple, ce que je fais avec vous, en fait, je suis en train de vous communiquer les vérités spirituelles par un moyen intelligent. J'aurais pu aller dans tous les sens. Je dis ça, je vais là-bas. Ça fait désordre, n'est-ce pas? Mais j'organise ça de manière progressive. Donc, j'utilise l'intelligence pour vous communiquer les vérités spirituelles. Amen. Et les femmes ont trop ce problème parce qu'elles sont très intuitives. Quand tu sens quelque chose, apprends aussi. Assieds-toi et dis, Seigneur, explique-moi. De sorte que quand je vais lui parler, parce que le blocage entre les hommes et les femmes se trouve à ce niveau-là. L'homme prend telle décision, la femme dit, bon, moi je pense pas. Il dit pourquoi, elle dit, je sens pas. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Souvent, vous voyez juste, mais vous ne nous aidez pas. Ça ne suffit pas. Donc, cherche à mieux comprendre ce que tu sais déjà pour aider ton homme qui est faible. D'accord? Dans notre âme, nous avons aussi des émotions. Donc, il va nous discipliner, rééduquer notre manière de ressentir les choses. Amen. Quand on t'insulte, par exemple, tu as deux choix. Soit tu t'énerves, soit tu as pitié de celui qui t'énerve, qui t'insulte. Non? Tu as deux choix. Mais si tu viens d'une culture des gens qui sont trop fiers, la nervosité est rapide. Alors, il va t'inscrire dans l'école de l'humilité. Il va te dépouiller de cette fierté qu'on t'a inculquée depuis ton bas âge. Franchement, si quelqu'un t'insulte, c'est lui qui a un problème? Non? Le racisme, par exemple. Celui qui est raciste est misérable. Il est misérable. Donc, on doit le comprendre. On doit l'aider. OK? On doit l'aider. J'ai servi le Seigneur dans un environnement où mes collègues africains, quand ils voyaient les blancs, tout de suite, ils venaient demander de l'argent. Qui vous a dit que blanc égale riche? Je ne comprends pas ça. Qui vous a dit ça? Et un jour, l'un de ses frères blancs qui subissait vraiment la mendicité de mes frères blacks. Un jour, j'ai exercé le ministère, il était là, il était touché. Il m'a dit, je veux te remercier. Donc, il m'a invité à manger. Nous sommes allés au restaurant, on a mangé. Quand on termine, il m'emmène dans des magasins, il me dit, choisis ce que tu veux. Je suis tellement reconnaissant. Je dis, non, j'ai besoin de rien. On est sorti de là. On a fait des magasins en magasin. Il dit, non, je cherche quelque chose qui va te plaire. Je dis, non, c'est pas que je manquais. Hein? Non, c'est pas que j'en avais. Hein? Mais je voulais l'aider. Vous comprenez? Je voulais l'aider. Parce que je sais ce qu'il avait subi. Jusqu'à la fin, je dis non. À un moment même, je me suis énervé. Je lui dis, je t'ai dit que je n'ai besoin de rien. Donc, il a senti que j'étais ferme. Il m'a raccompagné chez moi. Il n'était jamais venu chez moi.
Il aimait tellement passer ce temps avec moi. Quand on est arrivé, déjà, il m'avait pris toute l'après-midi. Moi, je n'avais pas dormi toute la nuit pour préparer le culte. Donc, je voulais rentrer, j'étais fatigué. Donc, quand il m'a ramené chez moi, moi, je suis piéton, il avait une voiture. Je lui ai dit au revoir. Il a dit, non, attends, je veux venir chez toi. J'ai dit, oh là là. On entre dans ma maison, écoute, laisse-moi. Oh, tu as une télé. Oh, tu as un micro-ondes. Oh. Je l'ai regardé. J'ai failli mal réagir. Mais ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute. Nous lui avons donné l'impression d'être trop bas. Vous m'entendez? Si quelqu'un te méprise, avant de réagir, pose-toi d'abord la question. Quel a été mon comportement pour l'amener à me considérer comme ça? Ça commence le plus souvent par nous. Je vous ai déjà raconté ça, non? Un jour, j'ai prêché un message et quelques semaines plus tard, un Américain est venu, il a prêché la même chose. Je vous assure, les mêmes points. Et l'église était Amen, Amen. Là où j'étais, je dis, oh, ils sont des racistes. Il faut qu'un Américain vienne leur dire pour qu'ils croient. À la fin, un frère est venu, me dit, pasteur, je veux te dire merci parce que quelqu'un est venu des États-Unis pour nous répéter ce que tu nous dis ici. Ça m'a consolé un peu. À l'époque, j'étais sensible, mais là, j'ai dépassé ça. Je rentre à la maison. Ouf, le pédagogue est venu. Il dit, répète un peu ce que tu as pensé pendant le culte. Je dis, mais toi, tu vas même chercher mes pensées, Seigneur. Oh, bon, allons-y, parlons. Donc, j'ai parlé. Il m'a dit, mais ce n'est pas la faute du peuple. C'est ton attitude. Toi-même, tu n'étais pas sûr des vérités que tu disais. Lui, il en était sûr. Il dit, j'ai dû le prendre pour redire à l'église ce que je t'avais envoyé dire. Mais ton attitude dans ce que je t'avais dit de dire a fait que le peuple n'a pas cru. Ce n'était pas la faute du peuple. N'est-ce pas? Par exemple, si je vous dis, il y a un incendie, vous allez me croire? Si je vous dis, mes frères, tu sais, il faut que tu craignes Dieu, hein, sinon tu iras en enfer. Ouais, vous riez. L'enfer est grave. Je peux tordre le message qui est vrai par l'attitude avec laquelle je donne le message. Le Saint-Esprit va rééduquer ta sensibilité. Il t'a rendu sensible, n'est-ce pas? Regardez, tous les artistes, ok, sont forcément hyper sensibles. Pourquoi les pires scandales dans l'église viennent de la chorale? Pourquoi? Vous voulez que je vous dise? Parce que ils sont nécessairement hypersensibles. Tu ne peux pas évoluer dans les arts sans être hypersensible. Donc cette hypersensibilité leur a été donnée par Dieu à cause du don qu'il leur avait donné et du ministère qu'il leur attendait de rendre. Mais vous savez qu'il y a la frontière entre l'hypersensibilité et la sensualité. Est fine, très fine. C'est pour ça que tous les artistes sont très sensuels. Vous m'entendez? Mais si Dieu, par exemple, leur enlève cette sensualité pour qu'ils ne tombent plus dans le péché comme ils ont l'habitude de le faire, alors leur don manquera d'un équipement important.
Donc Dieu ne va pas enlever ça à cause du don. Mais le pédagogue va discipliner leur sensibilité. Dépouiller leur sensibilité de la sensualité. Alléluia. Je vais vous choquer encore plus. D'accord? L'appétit sexuel, ça vient du diable ou de Dieu? De Dieu. Pourquoi? Pour que ça t'aide quand tu vas te marier. Tu comprends? Tu comprends? Si tu ne sens rien, tu vas frustrer ton conjoint. Regardez-moi. Tu vas frustrer ton conjoint? Oui ou non? C'est pour ça que tu sens que tu commences à t'éveiller. C'est un cadeau que Dieu t'a donné pour en jouir dans le cadre du mariage. Dieu ne peut pas éteindre ça, sinon tu vas frustrer ton conjoint ou ta conjointe. Mais le pédagogue peut t'aider à discipliner ça. Ok? Ça vient de Dieu, tout ça. Il nous apprend à méditer. L'esprit humain a une capacité innée appelée la méditation. Réfléchissez. Ceux qui font le yoga et consorts, ils font de la méditation, non? Ils arrivent à se connecter avec le monde spirituel. Comment? Le diable n'invente rien. D'accord? Le diable les pousse à utiliser ce que Dieu leur a donné pour se connecter à des choses bizarres. Mais Dieu t'a donné l'esprit pour que tu sois capable de méditer quoi? Sa parole. D'accord? Donc arrête de t'asseoir là et de t'évader dans des voyages mystérieux, dans des voyages impurs même. Il y a des gens qui s'évadent dans des voyages impurs. Nous avons pratiqué la délivrance d'une sœur. Elle s'évadait tellement dans les voyages impurs que c'était devenu comme quelque chose de physique. Ce que vous appelez les maris et les femmes de nuit. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Vous avez vu Jésus chasser un mari de nuit? Vous avez vu ça dans les Actes des Apôtres? Non. Répondez-moi! Non. Vous avez vu, mais tout est dans la Bible. Vous avez vu ça dans les Actes des Apôtres? Par contre, Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, et cette version dit, quiconque regarde une femme avec un regard chargé de désir. Cette version. Mais tout le monde peut faire ça? Hé, répondez-moi. Vous voulez faire semblant? Tout le monde peut faire ça? Parce que quand tu commences à dire mari de nuit, tu n'es plus responsable. C'est ça le problème que j'ai avec l'Église. C'est ça le problème du message que Dieu m'a donné. C'est comme si tu dis, ah non, c'est pas ma faute. Chasser ce mari de nuit-là, ben on va le chasser. Mais tu seras surpris de voir que tu es capable d'imaginer. Alors, comment dissiper, si tu as des problèmes de pensée impure, je veux te donner des conseils pratiques. La première chose, réfléchis aux choses que tu regardes souvent, aux choses que tu entends souvent. Si tu as un problème de rêve, de nuit, d'accord? Regarde, Dieu apparaît à Salomon dans un songe. Ça veut dire que le gars faisait quoi? Il dormait, ok? Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Dans un songe, tout est possible. N'est-ce pas? Et le gars, dans le songe, il demande l'intelligence.
Et il répond et dit, tu as fait ceci à mon père, tu m'as placé devant un peuple aussi important, je ne suis qu'un enfant, je suis jeune, donne-moi l'intelligence pour bien gérer, juger. Ça veut dire quoi? Il a cogité ça depuis qu'on l'a mis sur le trône. Il pensait à la charge. Ça avait rempli ses pensées. Dieu aurait pu lui apparaître pendant qu'il était éveillé. Il a choisi le songe pour nous parler ce soir. Et ce qui est grave dans le monde spirituel, c'est que Dieu lui a répondu dans un songe, n'est-ce pas? Quand le gars s'est réveillé, il avait quoi? Il l'avait vraiment. Si c'est vrai dans le positif, ça le sera dans le négatif. Donc, si dans ce songe-là, tu t'aventures avec quelque chose de très, très, très mal, d'accord? Le monde réel va t'aider et va te proposer l'objet de tes convoitises. Vous m'entendez? Donc, première chose, revois les choses que tu regardes et que tu entends. Parce que ce sont des poisons qui entrent. Deuxièmement, commence à mener le combat de la foi. À chaque fois que ça monte en toi, parle, dis que tu refuses ça. Tu rejettes ça. Maintenant, comment tu remplaces les mauvaises pensées par les bonnes? Dieu ne te demande pas d'imaginer les bonnes choses. Il dit, plonge les regards dans la parole de la vérité. Médite-le jour et nuit. Vous comprenez? Quand ils vont te remplir, que ce soit en rêve ou dans la réalité, si Dieu te demande, oh, tu répondras avec ce qui remplit ton cœur. Alors, tous les démons qui trompaient les gens, d'ailleurs, les femmes de nuit, là, sont en train de dire aïe, aïe, aïe. Ils ont découvert le mensonge. Oui, je sais pourquoi je dis ça. Je sais ce que je suis en train d'entendre maintenant. Regarde. Si tu fais toutes les bonnes proclamations du monde et que tu es en train d'avancer dans la foi, ok? Parce que les pensées, personne ne les voit. Mais que tu cogites toujours des choses graves. Le jour où le diable va le sentir, il sait comment te faire tomber. Regardez le cantique funèbre de David. Quand Saül et Jonathan sont morts, il dit, mais comment les héros sont-ils tombés? Comment? Écoutez, David a été, ouais, je vais m'arrêter ici. Mercredi prochain, je vais vous parler de la foi, la pédagogie et la foi, comment il nous entraîne dans la foi. David a été, ouais, il avait 17 ans, n'est-ce pas? Et il arrive sur le champ de bataille, ok? C'était son jour de gloire, n'est-ce pas? Goliath est en train de dominer sur tout le peuple. Vous pouvez suivre encore? Et David entend ceci. Celui qui va tuer cet homme, le roi va affranchir sa famille. Ça, c'est bien. Mais le roi aussi va lui donner sa propre fille en mariage. Je veux vous démontrer que ça a motivé Moïse, David. David aimait beaucoup les femmes. Finalement, Saül ne lui a pas donné celle-là et il lui a donné une autre. Ok? D'accord. Alors, plus tard, David, dans son errance, avec sa petite armée qu'il avait suivie, n'est-ce pas? Un jour, David va vouloir aller quelque part et un monsieur va lui barrer la route. Alors David est fâché. Il est sur le point de commettre un génocide à Abigaël.
D'accord? La femme de cet homme va venir apaiser le cœur de David. Ce monsieur-là s'appelait Nabal. Ok? C'est bien. Mais après ça, qu'est-ce que David fait? Il la prend pour femme. L'homme selon le cœur de Dieu. Et quelque temps plus tard, David va reconnaître que Dieu est en train d'affermir son royaume à cause d'Israël, son peuple. Je ne l'avais pas prévu, c'est pour ça que je n'ai pas ce passage ici, mais je peux le trouver rapidement. La Bible dit, David reconnut que l'Éternel était en train d'affermir son royaume à cause de qui? D'Israël, son peuple, le peuple de Dieu. Écoutez-moi, ce que je vous dis est très important. On dit David reconnu, c'est-à-dire qu'il eut une compréhension profonde, intuitive, que Dieu a décidé, à cause de son peuple, ok, d'affermir son royaume. Donc David se rend compte que Dieu a un projet qui ne dépend pas de lui, qui ne dépend pas de David. Donc Dieu va le faire. Et la Bible dit, après cela, quand David a reconnu ça, il a commencé à multiplier les femmes. Parce qu'il a compris tout de suite que Dieu a un plan. Il va l'atteindre. Peu importe mon comportement. Et c'est ça qui trompe beaucoup. Parce que quand Dieu s'engage, à cause de sa parole, il va le faire. Et là, il a eu libre cours aux choses qui étaient dans son cœur. Jusqu'à commettre l'irréparable. Avec Bathsheba. Donc, nous avons le Saint-Esprit, le pédagogue. D'accord? Parce que ce que personne ne peut entendre, lui, il est en toi. Il va te dire, attention. Non seulement qu'il ne veut pas que tu ailles dans cette direction, mais aussi il dit, traite ce problème. Je n'avais pas prévu de dire ça. Ce n'est pas dans ma note ni sur la diapo. Le pédagogue n'est pas là pour jouer. Regarde, on dit, petits enfants, vous avez vaincu le malin. 1 Jean 4:4. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est... Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Vous, petits enfants, merci, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ok? Il est en nous, il est plus grand. Parce que. Il dit donc, toutes nos victoires, ok, s'expliquent par le fait que celui qui est en nous est plus grand. D'accord? Mais il est en nous. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? Si nos victoires ne dépendent pas de nous, hein? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à apprécier celui qui est en nous. Il nous reste à l'écouter. Parce que ce n'est pas une affaire de victoire extérieure. Il nous reste la victoire intérieure. Proverbe 16:32 dit que celui qui conquiert les villes ne vaut pas mieux que celui qui est maître de lui-même. Donc, il est en nous et nous donne les victoires dans ce monde. Mais il est en nous pour nous donner la victoire. Contre toutes les mauvaises tendances,
qui peuvent amener finalement l'ennemi à avoir de l'avantage, à reprendre de l'avantage. Et le pédagogue est là en train de montrer à l'héritier sa responsabilité. Il dit, tu es un prince, c'est très bien, c'est magnifique, mais attention. Attention, pense à tes actes. Regarde, regarde tes responsabilités. Regarde tout ce que papa t'a confié. Regarde, regarde. Équipe-toi, équipe-toi, équipe-toi. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas ajouter notre nom sur la liste des héros qui sont tombés. Non, non, non. Grâce au pédagogue. Amen. Grâce à la pédagogie du Saint-Esprit. Amen. Vous sentez tout ce que Dieu est en train de nous dire ces jours-ci? Ah ouais. Le pédagogue est en nous pour nous rééduquer, pour nous discipliner. Il y a quelque chose de difficile dans le ministère pastoral, c'est que souvent, vous parlez avec des gens pleins de regrets. Oh, si j'avais su. J'ai parlé dernièrement avec un monsieur, il me disait, si je pouvais recommencer ma vie, ça m'a fait tellement mal. Il m'a contacté pour que j'aide son fils. Il dit, mon fils est sur le point de commettre les mêmes erreurs que j'avais commises. Les mêmes erreurs. Donc je dis, mets l'eau-parleur. Comme ça, tout ce que je veux dire, vous l'entendez en même temps. Donc, nous avons commencé à parler. Et le monsieur dit, si je pouvais recommencer ma vie à l'âge de cet enfant, je ne ferai pas ça. J'ai dit au jeune homme, tu as entendu? Il m'a dit oui. Nous ne sommes pas obligés de passer par là, d'accord? Que nos vies ne soient pas faites de regrets, mais d'action de grâce et de reconnaissance envers celui qui nous conduit. Que nos vies ne soient pas faites de regrets, mais d'action de grâce, de reconnaissance envers celui qui nous prépare, envers celui qui nous avertit, envers celui qui nous conduit dans toute la vérité. Ô Saint-Esprit, nous t'acceptons comme notre pédagogue ce soir. Nous t'acceptons comme notre éducateur ce soir. Nous t'acceptons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut accepter, donner au Saint-Esprit l'autorité de le rééduquer pleinement dans tout son être, dans tous les domaines de sa vie? Si quelqu'un accepte, il se lève ce soir dans sa présence. Alléluia. 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 Saint-Esprit, voici ce peuple qui a répondu à ta parole. Et parce que nous nous accordons ce soir, je te demande de commencer de manière directe ton ministère de pédagogue dans chacune des vies qui ont répondu.
que toute résistance en eux soit brisée. Au nom de Jésus. Que toute rébellion en eux, que tout faux raisonnement, que les forteresses qui ont été érigées dans leur système de pensée soient renversées. Au nom de Jésus, je te demande de t'emparer de leur raisonnement, de t'emparer de leur sensibilité, de t'emparer de leurs cinq sens et de les entraîner dans la méditation permanente de ta parole. Que leur pensée soit remplie de ta parole. Ô Saint-Esprit, sillonne tous les coins, les recoins de tout leur être. Maintenant, maintenant, je vois l'Esprit en train de traverser dans le tréfonds de chacun maintenant. Il est en train de pénétrer les zones où il n'avait jamais eu accès. Il est en train de sillonner, de sillonner, de sillonner. C'est comme des eaux qui sont en train de monter, de monter, de monter. Toutes les cases sont en train d'être remplies, remplies, remplies maintenant. Maintenant, maintenant. Les eaux de purification. Les eaux de purification. Il y a un nettoyage intérieur qui est en train de se produire maintenant. Il y a un nettoyage intérieur. Il y a des portes qui étaient fermées à l'intérieur qui sont en train de s'ouvrir maintenant. De s'ouvrir maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Raskantobra yashateregem. Rabaya santokro yantaba shataraba. Tous les cinq sens sont en train d'être visités maintenant. Kirantakmo Shatsaraba, tout ce qui n'est pas juste selon Dieu est en train d'être éjecté maintenant par le Saint-Esprit lui-même. Parce que tu lui as donné cette autorité, il travaille, il travaille, il travaille. Parce que tu lui as donné cette autorité, il travaille, il travaille, il travaille. Il travaille maintenant. Il travaille. Il travaille. Il enlève la maladie, il enlève la maladie. Il enlève la maladie. Il enlève la maladie dans les yeux. Il enlève la maladie dans les oreilles. Il enlève la maladie sur la peau. Il enlève la maladie dans les cœurs. Les problèmes cardiaques sont en train d'être résolus maintenant. Les problèmes de tension sont en train d'être résolus maintenant. Il enlève la maladie dans les organes, il enlève. Il applique la vérité de l'œuvre achevée de Christ afin que ton corps soit un témoignage que le pédagogue agit. Ton corps sera un témoignage que le pédagogue agit. Ton corps sera un témoignage que le pédagogue agit. Alléluia. Recevez la santé des héritiers de Dieu. Recevez la santé des enfants adoptifs de Dieu. Recevez cette santé. Tout père responsable emmène son enfant malade bénéficier des meilleurs soins possibles. Dieu est ton Père, n'est-ce pas? Reçois les meilleurs soins possibles maintenant au nom de Jésus. Reçois les meilleurs soins possibles par ces meurtrissures. Par ces meurtrissures, entre en possession de ta guérison. Par ces meurtrissures, entre en possession. Le Saint-Esprit communique la guérison maintenant. Le Saint-Esprit communique la santé maintenant.
Le Saint-Esprit communique, il communique, il communique maintenant. Maladie, je te réprime au nom de Jésus. Maladie, je te réprime. Esprit impur, je te réprime maintenant. Au nom de Jésus. Esprit de faiblesse, je te réprime. Au nom de Jésus. Esprit de mort, je te réprime. Au nom de Jésus. Esprit de faiblesse de tout genre, je te réprime maintenant. Quitte ce corps, lâche cet organe maintenant. Au nom de Christ Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, prandara kasabata. Karaba shanturu kobo saradaga. Nereble yakanta boshetelelis. Rabaraba yasandaradaga. Rekebo shataraba. Rakabinte yanda kobata. Raba shate. Eleblanto robusta mantara. Alléluia. 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 Dites avec moi, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi, car je te fais pleinement confiance. Tout mon être est à toi. J'emmène tout mon être sous ton autorité, sous ta seigneurie, sous ta discipline. Sous ta pédagogie. Rééduque-moi. Profondément. Rééduque. Mes cinq sens. Rééduque. Mon âme. Mes raisonnements. Mon intelligence. Ma sensibilité. Donne-moi la force d'être proche de ma Bible, de la lire jour et nuit, de la méditer jour et nuit. Apprends-moi à méditer ta parole jour et nuit. Remplis mes pensées de ta parole. Renouvelle mon intelligence par ta parole. Éclaire mon esprit par la lumière de ta parole. Conduis-moi dans toute la vérité. Donne-moi le discernement entre le mensonge et la vérité. Remplis mon cœur de l'amour de la vérité. Remplis mon cœur de l'amour de la vérité. Remplis mon cœur de l'amour de la vérité. Et que cette vérité me rende libre. Là où je ne suis pas encore libre, que ta vérité m'affranchisse. Car je ne dois pas être un esclave. Parce que je suis un enfant adoptif de Dieu. Je suis libre par la parole de la vérité. Je suis libre par l'esprit d'adoption. Et je peux m'écrier Abba Père. Abba Père. Mon Père, mon cher Père, je suis ton enfant et je te rends grâce au nom de Jésus. Amen.